Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirate Co-Opter Master. On se retrouve avec notre petit bateau et on était à une étape de rentrer dans une crique pirate. Voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors le nom est assez sympathique, hein. 2C2E2R. On sent que les mecs ils ont la forme. Donc l'objectif ce sera de vendre quelques canons si on peut parce que ça nous alourdit pas mal et éventuellement un peu de notre stock. J'ai rajouté quelqu'un aux réparations parce que c'était un petit peu la merde. Et je crois qu'on est pas mal. Allez, c'est parti. Voyons voir si ça ressemble à quelque chose de particulier. Nous partirons, nous resterons pendant 4 quarts, nous partirons le soir. Ça me va. Alors, Amine et Aïna du coup sont en leur litige. On a la première étape, celle du pistolet. Amine a gagné en faisant couler le sang en premier, mais les deux ont été blessés. Ah bah tu vois Amine, tu pensais mourir lamentablement. Mais tu t'en es tiré. Par contre vous avez été tous les deux blessés. Bon bah visiblement vous êtes quand même pas à l'infirmerie, donc c'est que ça va pas si mal que ça. Ouais non bah forcément, c'est l'heure de picoler, alors bien sûr vous êtes pas à l'infirmerie. Tu m'étonnes. Alors, voyons voir un peu ce qu'on peut acheter. Alors déjà, avant de voir ce qu'on peut acheter, voyons voir ce qu'on a. On a largement assez de boulets, on a du charbon et du métal à liquider. On a 8 tonneaux d'alcool, 6 tonnes de bois, 6 tonnes de tissu, on a de la bouffe, à plus quoi savoir en foutre. On va vider le charnier et l'objectif ça va être d'acheter un petit peu de bois, un petit peu de tissu, mais surtout de liquider. Je pense. Liquider le métal. Est-ce qu'on peut tout vendre? Tout vendre notre métal et notre charbon. On achète... Ah, il a pas de tissu en rab. Par contre, il a du bois qui coûte une blinde. Mais qui reste quand même intéressant. Et on peut vendre deux canons. Il y aura 13 tonneaux à déplacer, ça me paraît tout à fait jouable. L'alcool, on peut en vendre un petit peu, on a tendance à en trouver assez facilement. Les boulets, on les garde. Le métal, on liquide tout. C'est globalement pauvre hein, comme coin. Hein. Ils ont très peu de canons, quasiment aucune ressource. Clairement, est-ce qu'il a assez de sous? Il a 10 000 de sous. Par contre, ils sont pétés de thunes, les pirates. Ils n'ont pas de ressources, mais ils sont pétés de thunes. C'est parti. Il va falloir porter, les gars. Allez. Bah toi, tu fais rien. Tu vas... t'es complètement beurré. Tu vas au puits. Toi, tu vas au dock. 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 On en a deux qui nettoient. On en a un qui est au puits, un qui pêche. On n'a pas besoin de pêcher. On a besoin de nettoyer, parce qu'on a quand même pas mal de toiles d'araignée qui commencent à se faire. Ensuite, dans quel sens vous allez? Alors, toi. Non, c'est pas toi qui t'es fait blesser. Qu'est-ce qu'il me dit le barman? Un officier qui a parcouru le bout de chemin sur le navire quand il a environnement travaillé comme sa poche, est plus performant qu'un autre officier à sa tâche. Okay. Les gens gagnent des niveaux, jusqu'ici rien de très surprenant. Est-ce que je peux voir... Amine, non, je peux pas le voir. On est 3 à nettoyer. 3 à nettoyer, 4 au dock. 4 x 3 de 12, ouais, ça devrait suffire. Normalement, 4 quarts, on devrait être bien. Alors, Amine, t'as une blessure. Visiblement, t'as perdu une main. Est-ce qu'il te manquait une main avant? Je ne sais plus. Toi, t'es qui? Une gabière et une chauffeuse formées sur un navire militaire. Ah ouais, ça envoie du rêve. Ça envoie du rêve. Est-ce qu'on a la place? Là on a 3 et 3, 6 et 2, 8. 8 lits. 8 lits, 8 lits, 8 lits, 8 lits, 8 lits. Et on a combien de personnes? 9 hommes et 9 femmes. Ah, on est déjà trop plein. On est trop plein, enfin on est pile poil quoi, parce qu'il doit y avoir nous, le capitaine et moi dans le nombre alors qu'on consomme pas de canne de hamac. Du coup on est au taquet.
On est au taquet, donc pour l'instant on va se passer de ses services, c'est pas grave. Alors, tu as écrit dans le livre du savoir. Les officiers ont des atouts variables, ils peuvent être charismatiques, avoir le savoir, l'ancienneté ou excellent le combat. Un ancien marin connaît mieux son métier, apporte donc des avantages plus prononcés dans sa spécialité. Par exemple, si on prend notre maître Gabier, voilà, qui est là, qui est caché. Qui est là. Alors, je peux l'attraper si je l'avais. Voilà. Elle est gentille à bord depuis 62 quarts, elle a une mauvaise défense, un mauvais tireur, mais visiblement plutôt efficace. On avait vu qu'elle améliorait notablement les compétences de réparation des voiles. Allez, passons le quart. C'est l'heure de boire un coup. C'est un peu tendu niveau flotte. Donc on commence à avoir du monde. Il y en a qui vont faire la gueule parce qu'il n'y aura pas d'eau. Bon, ça va, c'était moi et le capitaine qui n'avons pas eu d'eau. On s'en remettra. Allez, faut continuer de bosser, les gars. Donc, il y a encore un peu de réparation à faire, visiblement. Odoc, Odoc, Malvin, Odoc, toi, Odoc. Et Odoc. Alors, Odoc, on a combien? 2, 4, 6, 8, 7 roues. Nettoyage. Il nous faut quelqu'un au puits. Hop, deux au nettoyage. Les toiles d'araignée ont disparu, ça me paraît pas mal. Amine y répare. Depuis 99 quarts, il est à bord, Amine, mine de rien. C'était la femme qu'on avait de base, je pense. Ah non, on est à bord depuis 126 quarts, nous. Et on a trouvé une seule bouteille, c'est un peu dommage. Parce qu'on a trouvé des fringues plus sympathiques. Ah, ça... Non, il était pas mal notre chapeau. Il est bien notre chapeau. Allez hop. Alors, durant leur quart de repos, Kimi et Dadyup se sont entraînés à améliorer leur manière de combattre. Parfait. Bonne défense pour lui. Parfait, parfait. Bien joué. Donc, il n'y a plus rien à ramasser. À quoi ressemblent nos stocks? Il nous reste un petit peu de charbon. Est-ce qu'on peut le vendre maintenant? Non, il faut avoir un compte-rond pour vendre, c'est dommage. Bon, on pourra le jeter, mais on va le garder pour l'instant, on n'a pas besoin de plus de place. Le charnier, faut continuer de le remplir à toute berzingue. On va mettre un petit peu d'alcool dedans pour aider. Et ceux qui glandent, alors. Tu vas aider à réparer, Malvin, pour la peine. Toi, tu vas aider à réparer aussi. Qu'on finisse les réparations. Je pense qu'en un quart, ils vont terminer. Mais on n'a pas de charpentier encore. Du coup, on ne sait pas bien. Ouais, voilà. On n'a pas de charpentier, donc on ne sait pas bien encore. Mais peut-être qu'en finit petit à petit, en faisant monter de niveau les. En les faisant réparer, ça va le faire. Alors, deux qui glandent. On va en mettre un à s'occuper, non, on va en mettre deux à s'occuper des canons. Vu qu'on a quand même pas mal d'armes, on voit toutes les petites étoiles qui brillent là, c'est parce que les armes sont en bon état. Allez. Les quêtes d'information de la capitale s'est avérée modeste, mais il a ouï dire qu'un marin dit pessimiste semblait chercher du travail légal comme illégal. Il se pourrait donc qu'il fait partie des volontaires à la taverne. Donc, ça voudrait dire qu'elle serait pessimiste. Mais c'est pas très très important dans notre contexte. Tac. Il nous reste un quart. Notre capitaine est revenu. Il y a toujours quelqu'un au puits. Comment se porte notre charnier? Il se remplit doucement. On va remettre de l'alcool dedans. Et continuer de le remplir. Alors, niveau réparation, ça donne quoi? C'est fini ou pas? Ouais, c'est fini. Si je la mets en réparation, il fait rien. Du coup, aux armes. Aux armes, au canon et au canon. Voilà, c'est parti. Et on rembarque.
Où voguerons-nous? Alors une ville, non, un navire, on va prendre la carte. 7 pour la carte, 7 pour la ville. Il y a une égalité, je vais donc trancher, la carte l'emporte. Ah, et il a vu un navire marchand du type cabine à voile, mais comme on n'a pas eu le temps de le mettre à la vigie, eh ben on sait pas ce que c'est. Les rouges, c'est ceux à qui on essayait d'être potes. Hein. Non, il s'en fout. Ok, parfait, on s'en fout alors. Du coup, à l'assaut. Alors, les voiles, boulets ramés, feu. On le poursuit. Feu. Ah non, faut recharger. Feu. À couvert. Ah non! On a quelqu'un qui est blessé. Ils ont des gros canons, ces petits cons. À couvert. Ils ont détruit un canon. On a bien fait de pas les vendre. La coque, boulet rond, à couvert. Oh la vache! Ils nous ont mis deux marins à terre, quoi. Heureusement, on a notre infirmerie qui est bien fonctionnelle. On a l'infirmier là qui est en train de gérer les gens à la scie. Allez, on recharge. Parce que notre voile commence à être dans un sale état. À couvert. On empanne. Ah putain, on n'a plus personne à la barre. À la barre, empanné. Réparation. Réparation. Augrément. Recharger. Les voiles. Boulet ramé. Feu. Ils nous ont détruit pas mal de canons, ces petits cons. Voilà, la coque, boulet rond, rechargé. Ils ont pas de canon sur ce côté-là. Donc on va aller au gréement pour accélérer un petit peu. Toi t'es au gréement déjà. On va les rattraper tout doucement. On pourrait aussi réparer un peu nos voiles, nous aussi. Feu. Recharge. Allez, voilà. Ah, ils ont réparé leurs voiles. Les voiles, boulet ramé. Détruisez-moi ces voiles. Voilà, parfait. Recharger. Les réparations, c'est fait. On peut pas les mettre au canon parce qu'on a rien pour l'instant. On va les rattraper tranquillement. On a des très bons gabiers qui sont assez efficaces. Alors je sais pas si on a réussi à sauver les gens là. Ils ont, je peux pas cliquer dessus pour l'instant donc je ne peux pas savoir. Allez, il va s'agir d'être rapide parce que quand on va les rattraper, ils vont avoir des canons sur ce côté là. Donc avant qu'ils tirent. Ah les cons. Les voiles. C'est bon, on les a chopés. Bon. Allez, petit mousquet. Parfait. Ne nous attirons pas leur haine, ça me va. Alors, bras gauche blessé, bras gauche blessé. Main droite perdue. Ah zut, perdu la main droite, Kimi. On a brisé quelques armes mais on en a récupéré un paquet. Par contre on a perdu pas mal de canons aussi. Ça c'est un peu plus chiant. On récupère des tout petits canons. Donc il commence à les prendre à la poupe, hein, donc on va... Et celui-là on va le prendre, hein, juste histoire d'avoir ce qu'il faut au cas où. Alors, au niveau du pillage. On récupère l'eau, on remplit notre charnier, on a du charbon, on peut refaire notre stock de boulets, il y a de l'or bien sûr, mais on est déjà pas mal rempli en or.
Ah, ils ont plein de tissus, ça c'est cool. Beaucoup, beaucoup de tissus. Du bois. Et des vivres. On a des blessés, donc on peut pas enlever l'infirmerie. Donc on va laisser un petit peu de tissu et de bois. Ou alors je vire le charbon. Ouais, je vire le charbon, je vais prendre le tissu à la place. Parce que on va clairement avoir besoin de réparer nos voiles. Le pavillon rouge. On est dans une zone vaguement rouge. Hein. Approuvons. Rouge neutre mais délicat. Ouais, bah oui, je voulais qu'on devienne pote avec eux, moi. Allez, reprenez vos positions. Toi t'es à la pêche, non, toi t'es pas à la pêche, toi. On a un matelot, une musicienne, coq musicien, notre timonier qui est là. Toi tu vas aller au gréement. Enfin, cela dit, non, tu vas pas aller au gréement parce qu'on répare là. Ah, c'est Kimi qui a perdu qui a perdu sa main, notre maître voilier qui a perdu une main, c'est ballot. On va garder que les gabiers. Et vu que visiblement c'est pas notre meilleur quart, on va aller doucement. J'ai l'impression qu'il y a un peu de vent là. On va se détendre un peu sur notre voile là. Ouais, on va se détendre un peu. Allez, c'est parti. Alors, un vaisseau avec un pavillon bleu, c'est un navire militaire, cabine à voile. Il est moins armé, à moins d'équipage, et la ligne de flottaison est basse, la force du vent est de 6 nœuds. Il est déjà sur nous, préparez-vous à combattre, cher quartier maître. Go! Empanné, on le poursuit. De toute façon, il veut aller vers nous. Les voiles, boulets ramés, feu. Il y a juste des petits canons, on dirait. À couvert. Et nous, on a quand même un équipage très 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 efficace. Ça fait plaisir. On va raser leur... Allez, recharger. C'est nous qui tirons à couvert. Ouh, c'était tendu. Recharger la coque. Boulet rond. La vache, ils sont efficaces aussi, hein. Ils sont efficaces. Mais on a réussi à fuir. Et on a plus de mât. Juste au temps. Donc là, c'était eux qui nous poursuivaient et nous qui nous enfuyons. Hein. C'était un navire militaire, donc j'avais pas trop envie de m'y frotter de trop près. On a vu qu'il était quand même assez efficace, même à très très loin. Ok, bah va falloir réparer par contre là. Bah on a quelqu'un à la vigie, mais on a plus de vigie. Du coup, t'es où? T'es là, tu glandes. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, hein. Tu vas aller nettoyer parce qu'on a des toiles d'araignée un peu partout. Alors, t'as écrit dans le livre du savoir. Qu'est-ce que tu as écrit de beau? Personnalité marin, pessimiste, n'exprime que du mécontentement et son moral ne peut jamais être très bon. Lâche, se rend plutôt que de mourir s'il est battu en abordage. Ok. Que nous dit notre état des voiles? Maître voilier, t'as des gréements 0%, il faudra environ 2,2 tonneaux de tissu et 5 quarts pour un gabier, 3,3 tonneaux de tissu et 7 quarts pour quelqu'un d'autre. 30% de tissu et de temps en plus en mer. On va laisser uniquement les gabiers travailler. Les matelots, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais pas s'occuper des voiles. Et toi, tu vas aux réparations aussi. On a pris un petit peu de... On va plein nord, même si on va pas aller très loin. Hop. Ah, merde. Egedup et Biféup se sont battus. Alors, un navire marchand du cabine à voile, force vent est de 7 nœuds. C'est un navire que nous pourrions approcher aisément grâce au pavillon. Ouais, ça me va. Faut qu'on répare nos voiles là. C'est toujours le tribordé. Ouais, c'est toujours le tribordé.
Bah du coup, on va peut-être juste reprendre notre vigie maintenant qu'on a un mât à la vigie, histoire de voir un peu ce qui se passe. Allez, on répare notre voile. Et au prochain tour, on décolle, je pense. Alors, un nouveau pavillon rouge, c'est un navire à marchand type Camille à voile. Il est moins armé, moins d'équipage, lors de faute saison, une possession de passe, 5 nœuds. On pourrait s'approcher. Allez, on y va. On est capable de le faire. C'est parti. Coucou. Allez, on va commencer à le poursuivre. Il fait demi-tour sans grande surprise. J'ai l'impression qu'il a pas de canon sur ce côté-là. Oh, il va se rendre, je pense. On s'est bien approché de lui. Je vais envoyer une dernière bordée pour qu'il ralentisse encore un petit peu plus. En pané. Ah, ils sont complètement perdus là, ils étaient en mode la coque, les voiles, la coque, les voiles. Voilà une bonne chose de faite. Ouais, on va juste leur prendre tout ce qu'on peut, faisons ça. A mon avis, je suis pas sûr que ça suffise à ne pas s'attirer leur haine, mais bon. Le bois, 20 tonnes de tissu, la vache, ils sont couverts hein. De l'or, on a même plus assez de place pour l'or. Drame. Des vivres. Du tissu ici. L'alcool, on est blindé, le charbon. Oh la vache, ils sont riches hein. Des boulets, encore plus de boulets. L'or, on peut pas laisser l'or quand même. Mais qu'est-ce qu'on pourra enlever? Le tissu. 8 tonnes de tissu, ça fait pas 211 fric hein. Ça fait 1 tonneau de tissu peut-être, pas plus. Récupère un peu d'eau. Des vivres, on a tout pris, bah on est blindé à mort hein. Bon bah du coup on a refait les stocks hein. Purée. Impressionnant, c'est toujours le tribordé. Bon bah on va peut-être avancer un petit peu là parce qu'il commence à bien faire là. Allez, reprenez vos positions les gars. Toi tu vas au gréement, on enregistre, on n'a pas besoin de pêcher clairement. Allez, c'est parti. On a une équipe tellement efficace, on va tellement vite. En avant. Enfonce au mot dans les mers. Aussi incroyable que ça puisse paraître, un grand vaisseau apparut loin, mais au-dessus de la mer, comme s'il volait. Il était translucide. Je sais que la mer peut rendre fou, mais qu'elle rende fou tout un équipage en même temps est impossible. Il n'a fait que passer, mais il a laissé dans son sillage des marins démoralisés. Allons bon. Le pavillon gris. Ouais, ça me va. Diantre. Nos marins sont démoralisés. Reprenez vos positions, les gars. Alors là, normalement, on a beaucoup de gabiers sur ce car. Ouais, donc on va juste prendre le musicien, l'envoyer au nettoyage. Et on va en profiter pour réparer un petit peu la voile. C'est parti. Alors, un pavillon gris, une cabine à vapeur, moins armée, moins d'équipage. Avec une ligne de flottaison haute, il va être blindé, la force du vent est de 0 nœud. Ah bah non, 0 nœud. Ouais, je suis d'accord, on s'occupe pas de lui. C'est une perte de temps. Et notre voile est parfaitement en état, ça c'est cool. Reprenez vos positions les gars. Il y a absolument pas de vent. C'est parfait. Bah fuck, est-ce qu'on aurait pas des petites réparations à faire? Absolument pas, c'est la glande. C'est la glande, bah on va s'occuper des armes hein. Aux armes, au canon, au canon. Allez hop, c'est parti. Lui il est un petit peu souffrant, on lui fait un bnédoc, parce qu'on en a quand même pas mal. Et c'est parti.
Alors, un pavillon bleu, un navire marchand de type cargo à voile, et les moins armés possèdent moins d'équipage avec une ligne de flottaison basse. Allez, on y va. Empané, on le poursuit. Les voiles, boulets ramés, feu. Tire à nulle part, tu es à nous. Oh oui, ils sont bons, nos canonniers. Zut. À plat ventre. Je crois que j'ai fait exploser un canon. À couvert. Empané. Oh là là, on la rattrape tellement vite. Ah, ils ont leur petit étendard là, mais il faut clairement pas faire le poids. Ah merde, on a un pirate qui est tombé. Et nous attirons pas leur haine. Il y a une coquerie dans ce... dans celui-là. Moi je le prendrais bien ce bateau, moi, en fait. Prenons-le, il est mieux qu'il en soit ainsi. Un gabier, non. On est bien, on a tout ce qu'il faut. Alors c'est parti, on installe nos canons. On prend nos aises. Hop, boum, boum, les gros canons d'abord. Toc, 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 toc. Alors, à quoi ça ressemble? Une infirmerie, il nous faut... non, on a trop de... Voilà, de branle, parfait. On récupère l'eau, bien sûr, elle vient de chez nous. Une coquerie, c'est cool, on va pouvoir réutiliser un peu notre coque. Du bois, nos réserves de tissu, l'or est là. Hop, l'or, le bois, on va le virer, on va mettre notre tissu là. J'ai du charbon, on l'enlève. On a nos boulets là, 8 tonnes de boulets. 8 tonnes d'alcool, on n'a pas besoin d'autant d'alcool honnêtement. J'ai pas pris la bouffe par contre, on a besoin de bouffe. Ça c'est un vrai défi. Alors, regardons, vérifions. On a de l'eau, on a de la bouffe, on a du bois. On a des branles. Est-ce qu'on pourrait pas se débrouiller? Alors, virer l'infirmerie. Remets-moi des branles là, non, là, non, je veux qu'ils soient ici. Hop. En fait, ils vont vers la droite, faut que je m'habitue. Voilà, donc là théoriquement, ils ont plus moyen de tomber malade parce que c'est en bas. Hein. Donc, c'est plus exposé au manque d'hygiène, il va donc falloir qu'on nettoie à fond. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Là, on a du tissu. On peut foutre du tissu là, et peut-être virer ce tissu. On n'a plus d'infirmerie, ça m'embête un peu. Oh, ça me paraît pas idéal cette histoire. On a deux branles en plus, on va en enlever. Non, on va en enlever, on va garder notre infirmerie parce que mine de rien, on a quand même souvent des blessés en ce moment. Et on va embarquer, on a pas du tout d'alcool, si on a 5 tonnes d'alcool, on va embarquer le tissu. Le bois, on blinde, les boulets, on a 5 tonneaux ici, 8 tonneaux ici c'est suffisant, l'or on est bien. Allez, on part comme ça. Et on dirait qu'on va avoir un petit grain, et on n'a pas de voile pour s'en sortir, vu qu'on vient de couler, on vient de détruire les voiles. Mais on va pouvoir envoyer notre gars de nouveau cuisiner, et ça c'est cool. Il est tellement plus simple de faire ses preuves quand on est un homme. Comment faire quand nous sommes plusieurs femmes et qu'il y a au moins un homme dans le groupe qui peut donner une excuse aux jaloux qui pensent que c'est grâce à lui qu'on réussit? Je crois qu'il faut que nous soyons que des femmes, capitaine compris. Ah, carrément.
On changera d'autre d'objectif et on aurait uniquement des femmes comme objectif. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Alors, du coup, c'est passé ici. Alors, au gréement, il nous faut. Alors, reprenez vos positions déjà, voilà. Les gabiers au gréement. Toi, tu vas aux réparations. Voilà, on a que des gabiers au gréement. On a quelqu'un à la barre. Bah, toi, t'es à la vigie, mais on n'a pas de vigie. Donc, tu vas nettoyer. Et on n'a pas notre coq hein, là. Hein. C'est l'autre. C'est au tribordé qu'on a notre coq. C'est ça. Donc, c'est parti. On fait ça comme ça. Un pavillon gris, marchand de type canon à vapeur, on pourra s'approcher aisément. On pourrait faire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé l'équipement. Toi, mauvaise défense, mauvaise tireuse. Tu vas prendre un pistolet et une lance. Toi, t'as aucune arme, tu vas prendre une lance. Toi t'as juste un pingouin, tu vas prendre une hache avec. Mousquet, hache, mousquet, poignard, hache, toi tu vas prendre un bouclier, une lance. Toi t'as juste un poignard, prends donc une hache. Ça me paraît pas mal. C'est parti. Où sont mes voiles? Ah c'est bon. Les voiles, boulet ramé. J'étais un petit peu perturbé par la nouvelle composition du bateau, excusez-moi. À couvert. Feu. On est en plein dans un début de tempête là. Ils ont détruit deux canons en un tir quoi. Empané, faut qu'on les poursuive là. C'est bon, on les chope. Bon. Ah, ils sont nombreux. Ah mince, j'ai cassé mon truc. Bon, ils sont débrouillés sans moi. J'ai envie de te dire hein. Alors, saisissez tout ce que nous pouvons et laissons-le partir. On prend, on récupère l'eau. Ah, ils ont des gros canons, on va les prendre parce que ils ont réussi à dépouiller nos canons hein. Hop, des canons moyens, des canons moyens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de beau? Des vivres, plein de vivres, on prend. De l'or, plein d'or, on prend. Des boulets, on prend. Un peu de bois, du tissu, du charbon, on s'en fout, encore du bois, de l'alcool, on n'en a pas consommé. Les boulets, on est plein, là on est plein, ouais, on est plein, tissu. C'est parti. Au niveau des blessures. Parfait, on s'en tire bien. Hop là. Et bah du coup, on va arrêter l'épisode là avant de se relancer dans un truc. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.